monde. Donc là, c'est une petite vidéo face caméra, tout simplement, pour vous montrer mes achats de chez Action. Donc c'est un mini haul, honnêtement, j'ai pas trouvé ce que je voulais de Noël déjà. J'ai trouvé juste ça, d'ailleurs, ils ont augmenté. Parce que l'année dernière, je les trouvais encore à 99 centimes et cette année, ils sont à 1,16€. C'est comme ça, de toute façon, on ne pourra rien y faire. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, celui-ci. Donc ça, j'adore les die cuts parce que même si je m'en sers pas pour faire des cartes, je m'en sers quand même pour faire... je suis pas vraiment dans le champ de la caméra, mais c'est pas évident là pour moi. Donc j'ai pris celui-ci parce que je me sers des die cuts pour autre chose, pas forcément pour des cartes. Voilà. Donc je l'ai trouvé sympa. Super mignon. Donc voilà. Donc je les ai pris tous, je crois, parce qu'il y en a 6. Oui, c'est ça. Donc, c'est tout ce que j'ai trouvé de Noël. Après, les nouveaux blocs, pareil, je ne les ai pas trouvés. J'ai trouvé que celui-ci. Si, il y avait le violet, mais je ne l'ai pas pris parce que je ne l'aimais pas du tout. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, je ne vous les montre pas, vous les avez déjà vus tourner. Et celui-ci que j'adore particulièrement. J'adore le rose poudré comme ça. Et je voulais en prendre deux de chaque, bien évidemment, parce que quand je fais des gros albums, il en faut deux. Pas complet, on est bien d'accord, mais un gros album, il en faut au moins quelques pages d'un autre bloc. Au moins 5 minimum, ça dépend de la taille de l'album. Malheureusement, je n'ai rien trouvé d'autre. Ah si, pardon, c'était caché. J'ai trouvé les fameuses petites feuilles, voilà, d'automne pour faire des créations, des choses comme ça. Donc là, je voudrais faire des créations d'automne. Donc ce sera pas forcément que du scrap, ce sera aussi du loisir créatif, hein, avec des petites feuilles. Ça peut être tout simplement un décor de table, un centre de table, voilà, un centre de table, des choses comme ça. Je voudrais mûrement réfléchir là et je pense que demain je vais m'y atteler. Donc voilà. En attendant, je prépare une autre surprise pour samedi prochain parce que j'ai vu que vous aimiez bien les albums, les calendriers de l'Avent. Donc je vous prépare une autre petite surprise et j'aimerais bien faire d'autres choses, créer d'autres choses plus sympathiques, mais faut que j'aie le temps. Et là, honnêtement, en ce moment, je n'ai pas le temps. Donc voilà, c'est vraiment une micro vidéo comme je vous ai dit. Donc voilà, le retour des vacances s'est mouvementé, la rentrée des classes, le retour du boulot. Enfin, j'ai pas arrêté de courir partout. Je suis fatiguée et donc du coup voilà, plus ma rage de dents qui m'a bloquée toute pas loin d'une semaine quand même. Donc voilà, ça va mieux, ça y est. Donc, mais bon, bref, c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie des aléas. Hein. Donc du coup voilà. Donc je vous tiens au courant pour de futures créations. Donc j'aimerais bien faire un centre de table d'automne. D'ailleurs je suis en train de créer et je l'ai mise là-bas, je vais mettre pause. Voilà, alors c'est une maison d'Halloween. Voilà, je l'ai, alors elle est faite tout en carton. Donc ça, me demandez pas de puto, c'est beaucoup trop compliqué, je ne saurais pas faire. C'est tout simplement, voilà, je veux dire, vous montez votre façade, les deux faces pareil, vous les scotchez ensemble. Enfin, moi, j'ai utilisé de la colle et du scotch Action, là, celui que j'utilise beaucoup, là. Voilà. Donc, celui-ci. Et après, en papier mâché, colle à base de farine et d'eau, parce que comme ça, ça devient rigide comme il n'y a pas. Ma cocotte, elle se détruira pas. Donc du coup voilà, donc ça y est, maintenant le papier mâché est complètement sec et elle est dure. Donc je vais pouvoir m'amuser à faire toute la déco. Alors il faut que je découpe du carton fin, pour ça il y a du carton partout là, je suis plein bazar. Bref, du carton fin pour faire comme des lamelles de bois. Voilà, tout autour pour faire une maison en bois un peu décrépie. Donc du coup voilà, j'ai de quoi faire, je vous le dis. J'espère qu'elle sera prête pour Halloween parce que mine de rien, il ne reste plus qu'un mois et demi. Enfin, ça approche vite et puis il faut du temps pour le faire. Hein. Donc, sachant qu'il y a les vacances aussi, donc je ne pourrais pas bosser. Donc concrètement, il ne me reste plus qu'une semaine pour bosser. Ils sont en vacances, nous. Bah, de toute façon, c'est tout le monde pareil. Je crois que c'est vers le 15, hein, 15 octobre. Donc il me reste un mois pour le finir. À peu près. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.